la première qui l'a vu lui a ravi son âme. Je vous amène faire un petit tour sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle avec un morceau que j'ai pas joué sur scène depuis pas mal de temps. Il fait partie de ce qu'on appelle les Cantigas de Santa Maria, le livre vermeil de Montserrat. Quand j'ouvre les yeux pendant le morceau, comme ça... Voilà, vous pouvez crier le mot « Ultreia ». Ultreia ! Ultreia ! Cigale, s'il vous plaît. Et quand j'ouvre les yeux... Ça fait quoi? Merci vous deux! Cigale, s'il vous plaît. Siamo ischi alla vista di Grande Bretagna. Ura! E ischi alla vista di Abdom Salvare. Ura!
On va s'amuser un petit peu avec des instruments rigolos maintenant. Si vous voulez bien, vous avez le temps de parler avec votre voisin pendant à peu près 17 secondes. Everything's all right, it's gonna be happy now. The ambiance is good. You are now in Dordtown. What a nice place to play medieval music now. Lorraine Klein, die ich bin ganz froh, dass deutsche Freunde gucken diese Show am Fernsehen oder auf Facebook. Ich wünsche diesen Leuten eine gute Nacht und ich hoffe, dass sie möchten das. Je disais juste à mes potes allemands que si ils regardaient l'émission, j'étais ravi. À l'anglais, ça va, mais moi, vraiment,
Est-ce que vous savez danser? Are you really able to dance? Essayez d'imaginer que vous êtes libre dans votre esprit. Que vous êtes heureux de vivre, que vous êtes un exemple de liberté, de lâcher prise. Que vous êtes finalement heureux. Essayez d'imaginer que vous êtes heureux. Un branle double, ça se danse. Deux grands pas à gauche, deux petits pas à droite. Je vous fais la démonstration. Et reste les deux. Même. Papa. On va les faire sur place, les fois. On va finir tous. Parce que sinon, on va tous faire moi. Non. Alors, fatalement, si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans la rue là-bas. Hein. À un moment, vous inversez. Faites un peu n'importe quoi, mais faites quelque chose. Il faut se tenir par la main pour faire ça. En fait, ça ressemble un peu à un andro. Ça vous amuser. Ça s'appelle le brawl de Bourgogne. Yeah.
C'est bien de se dégrandir les pattes un petit peu. Hein. C'est un morceau qui date de la fin du XIIIe siècle, celui-là, le branle de Bourgogne. Maintenant, si vous voulez bien, j'ai un petit jeu à vous proposer. Je vais faire chanter les mecs. Alors évidemment, ils vont faire les intéressants, tu vois. Après, ils vont être rentrés dans le truc quand même. C'est bien beau. Voilà. Le morceau s'intitule Hypnosis. Alors, je vais d'abord chanter la voix des gars. Ensuite, je chanterai la voix des femmes. Puis plus tardivement, nous chanterons la voix des sages. Est-ce que j'ai bien toute votre attention ? Ok, c'est parti. Messieurs, est-ce que vous avez de la voix ? Ouais !
et commencent à chanter.